Nous sommes à 70 km du chef-lieu de la préfecture de Boké, précisément dans la sous-préfecture de Sangaredi. Journée électorale, les bureaux de vote ont ouvert depuis 6h du matin. Les opérations électorales ont commencé depuis donc 7h et l'affluence commence à être déjà très grande. 39 747 électeurs sont invités à aller voter, parmi lesquels 19 258 hommes, 17 484 femmes. Ici à Sangaredi, 7 listes sont en course, dont 2 listes indépendantes. Comme vous allez le constater, à l'école Ambroise, l'organisation elle n'est pas faite, comme nous témoigne l'un des responsables de ce bureau de vote. Bon, nous avons commencé à 7h00, on a ouvert à 7h00 et les opérations ont commencé à 7h06. Nous avons 472 inscrits. L'organisation interne c'est bonne, et nous nous comprenons et puis nous échangeons très bien, nous nous entraidons dans le service pour que tout se passe bien. Ça se passe bien, ça commence bien. Vraiment, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Seulement, il y a eu mélange de choses, des listes électorales. Et parce qu'il y a 2 salles 5. Il y a salle 5 école primaire et salle 5 collège. Il y a eu mélange des listes là-bas. Mais ça a été réglé. On a voté librement. Toujours à Sangaredi, au collège Diaray Diallo, 555 sont inscrits sur la liste de vote, 316 hommes, 239 femmes. Plusieurs bureaux de vote sont donc fonctionnels. Comme vous pouvez le constater, les candidats aussi en lice à ces élections ont effectué leurs devoirs civiques. Ils témoignent surtout de l'organisation parfaite à l'entame de ce scrutin local. La sérénité devra être de mise selon eux pour assurer à ces élections locales toute la sérénité. Bon, j'avoue que pour le moment, je n'ai pas constaté assez d'anomalies, sauf que depuis 5 heures, je suis sur pied pour voir dans les bureaux de vote est-ce que nos délégués ont été présents. Alors, si je devais parler maintenant là, d'anomalies, c'est au niveau de Fofodor 1. Je crois qu'il y a eu une délocalisation de 4 bureaux de vote de Fofodor vers l'école primaire Alpha Condé et que les électeurs n'ont pas été informés, donc du coup, il y a quand même un manque d'information à ce niveau. Pour ce début, nous voyons franchement des opérations de vote qui se déroulent dans une parfaite harmonie, dans la paisibilité, et il y a l'engouement, les gens sont motivés pour venir voter et il y a la sérénité. Les opérations électorales sont un enjeu majeur dans la ville minière de Sangaredi. Les citoyens vaquent à leur occupation, les électeurs vers les bureaux de vote, les observateurs sillonnent partout dans la ville. Tout le dispositif sécuritaire est mis en place pour assurer des élections locales réussies. Salifou Lifo Cissé, Abdoulaye Keita, envoyé spécial pour Espace TV.